Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le podcast Tricot, donc le numéro 7, si je ne me trompe pas. Donc c'est le 7e épisode de podcast. Je me présente un petit peu. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Edith, dit Didith. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle l'Atelier de Didith. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook, sur Pinterest, sur Twitter et sur YouTube, bien sûr, sous le pseudo de l'Atelier de Didith. Voilà, j'ai le même nom partout, comme ça, moi, pas de problème. Si vous me cherchez, vous me trouvez. Alors, moi, je fais, bien sûr, du tricot, du crochet, je fais de la broderie, je fais du scrap, de la carterie, du coloriage, moins en ce moment, mais je fais du coloriage et du diamond painting. Voilà, ce sont mes principales activités en loisirs créatifs. De temps en temps de la couture, voilà, bon. Mais c'est rare. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer de beau? Alors, je ne sais pas si la vidéo va être longue ou pas, longue, je pense pas, parce que bon, j'ai craqué énormément la dernière fois, hein, vous aviez vu pour les achats, mais là non, j'ai été raisonnable, je fais un achat. Un seul, enfin un et demi on va dire, puisque j'ai acheté une revue. Alors je l'ai reçue aujourd'hui justement, ma commande. C'est du fil fil d'art que j'ai pris parce qu'il y avait un modèle que je voulais faire, que je vais vous montrer après. Et donc, j'ai pris le fil qui était préconisé dans le modèle. Donc, c'est celui-là. Bon, vous allez voir à l'envers, comme d'habitude, mais je vous remets une photo à l'endroit. Ce sera mieux. C'est le fil Caresse, donc, de chez Fildart. Et voilà la couleur. Alors, oui, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, celle-ci s'appelle, la couleur s'appelle Lumière. C'est le numéro 106. Et donc moi j'en ai pris 12 pelotes. Bon là vous en voyez 10, une 11. Là la 12e est déjà attaquée. Je vais vous montrer après. Alors c'est d'une douceur, mais d'une douceur. J'ai pas encore vu de pelote comme ça aussi douce. Mais alors, oh là là. Elle est d'ailleurs préconisée également, c'est marqué douceur idéale pour la layette. Donc c'est une laine que vous pouvez utiliser pour la layette. Mais je vous jure, elle est trop douce. Même pour la tricoter, c'est un bonheur. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Alors, c'est une acrylique et polyamide. Donc, 51% d'acrylique, 49% de polyamide. Voilà. Et malgré que c'est de l'acrylique, elle est douce. Très, super douce. Alors, là, c'est la pelote fait 50 grammes, bien sûr, pour plus ou moins 146 mètres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais prendre sur celle que j'avais déjà ouverte. Oui, ils l'ont mis là. Donc, elle se tricote en aiguille ou crochet numéro 4. Voilà. Lavage, c'est à 30 degrés et c'est écrit trop petit.
Enfin, ils montrent à la main à 30 degrés, et en machine, pareil, 30 degrés. Bon, les pulls faits main, moi, à la machine, non, j'aime pas. J'ai trop peur que j'ai eu le tour avec une veste que j'avais tricotée. Je ne sais plus si vous vous rappelez, je vous remettrai la photo ici. C'était quoi comme laine? Je vous remarque le nom là. Je vous remarque tout ici en bas. Et je l'ai lavé. C'était marqué qu'on pouvait laver à la machine. J'ai fait programme froid, quand même tout bien. Hein. Presque pas d'essorage. Mais la veste est morte. Voilà. La veste est morte. Toutes les mailles se sont serrées. Alors, je ne sais pas par contre si je peux récupérer, redesserrer les mailles en refaisant peut-être un lavage à la main avec une lessive pour la laine et puis refaire. Mais bon, c'est pas. Je sais pas. Il faut que j'essaye. De toute façon, foutu pour foutu, je peux essayer. Hein. Si j'arrive à la récupérer, ben, c'est bien. Si elle reste foutue, bon, ben, tant pis. Enfin, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce fil? Ben, j'ai tout dit. Donc, l'acrylique, la polyamide. Oui, ben voilà, j'ai tout dit dessus. Donc voilà, c'était le seul achat. Et c'était pour. J'ai choisi le modèle qui sort de ce livre. Alors, Tricot pour les rondes. Ça fait un petit moment que je l'avais eu. Je l'avais racheté à une mercière sur Facebook qui vendait des choses de son magasin. Et donc, je l'avais eu chez elle. Prix réduit parce que le prix normal de ce livre est à 14,95 et moi je l'avais eu à 6 euros et c'est pas d'occasion hein, c'était du neuf, c'était pendant les soldes je crois. Alors le modèle que j'ai choisi pour faire avec cette laine là c'est celui-ci, voilà le pull cache-cœur, j'ai trouvé trop beau. Pas dans cette couleur-là, il y avait d'autres couleurs aussi pour la laine, hein. Mais j'ai craqué sur celle-là, sur cette laine un peu chinée, donc il y a c'est écru avec du gris, du jaune, de l'oranger, un peu de beige, voilà. Donc voilà, donc c'est pour faire ce modèle-là. Je le fais en taille 50-52, en tricot à plat, bien sûr. Je dis bien sûr parce que je me suis pas encore sorti mes aiguilles circulaires. Donc là, j'ai sorti pour l'occasion du coup mes toutes nouvelles aiguilles de Knight Pro que je vous avais montré la trousse. Je vais vous la remontrer pour celles qui ne l'auraient pas vue. Donc, c'était avec cette trousse-là que j'avais acheté ben, la dernière fois, au dernier podcast. Voilà. Elles sont super belles. Elles glissent super bien. Ça n'accroche pas le fil, rien. Vraiment nickel, nickel, nickel. Et avec cette laine-là, c'est un bonheur. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, je me bagarre avec mes aiguilles. Voilà. Donc là, je fais le dos, bien sûr. Et c'est des côtes 1-1. Voilà. Et le pull sera tout en jersey. Il se fait donc en trois parties plus les deux manches, puisque le devant se fait en deux morceaux. Voilà. Mais sinon, alors je vais vous remettre une photo hein, pour que vous voyez bien la couleur.
Voilà ce que ça fait au chiné. Vraiment super beau, j'adore. Mais même à tricoter, hein, c'est un bonheur cette laine. Enfin, ce fil, puisque c'est pas de la laine. Mais j'adore vraiment. Il est super léger, je le sens déjà. Et je regrette vraiment pas. Donc, là pour l'instant, les côtes, elles sont faites en 3,5. Et le corps sera fait en aiguille 4. Voilà. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Je crois me souvenir qu'il y a juste la bordure du cache-cœur qui est fait au crochet. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est pas une difficulté de toute façon en soi. Donc voilà. Déjà, ma petite avancée de cette fin d'après-midi. Je crois que je vais l'avancer vite, celui-là. J'ai pas pu attendre, malgré que j'ai des ouvrages de commencer. Quand j'ai vu la laine, j'ai dit, il faut que je la commence tout de suite. Alors, hop, je me dépatouille. Voilà. Sinon, dans les ouvrages en cours, je suis encore sur mon pull coton. Mais là, maintenant, je suis sur le dos. Voilà. Pas le dos, le devant. Et donc pareil, des côtes 1-1 et le reste c'est que du jersey avec des lignes de deux couleurs. Donc le blanc, alors le blanc c'est, je ne sais plus le nom, est-ce que j'en ai une là pour vous dire le nom? Non, je n'en ai pas là. Je remarque la couleur et j'ai le vert, là le vert je l'ai sous la main, jade, voilà, couleur jade. Donc c'est du Bergère de France, c'est le coton 50, mais ne cherchez pas après ce coton, ils ne le font plus. J'avais acheté, je l'ai acheté il y a quoi? 4-5 mois je pense, et depuis ils ne le font plus. Donc c'est remplacé par le 100%, le coton 100% bio ou 100% coton bio, voilà, c'est, je sais plus dans quel ordre on le dit. Par contre, au niveau des couleurs sur ce nouveau coton, il n'y a pas des pastels comme ça, il n'y en a pas. C'est beaucoup des couleurs un petit peu pétantes quand même, c'est dommage. Donc le dos est fini. Voilà. Là, bon, j'ai mis un arrête-maille, voilà, parce qu'il fallait garder les mailles du cou. Bon, je vais avoir plein de fils à rentrer. Hein. Il n'y a pas de manche. Quand je vais faire le montage, après, je vais devoir relever des mailles et coudre une bordure en côte 1-1, donc tout autour. Voilà, c'est juste pour faire comme ça ici, de chaque côté. Et puis le col, mais le col sera en pointe. Avec, là, quand j'arrive ici à la pointe, puisque là c'est de bas en haut, hein, je vais juste devoir diminuer d'une maille tout au milieu, en bas de la pointe. Et après, je vais repartir, faire mon col jusqu'en haut. Et je vais relever les mailles également pour refaire la bordure qui va se finir donc ici en pointe. Donc ça, j'espère que ça va aller parce que j'en ai jamais fait. En pointe, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire une, mais bon. Et donc ce sera des côtes 1-1 également. Voilà. Donc voilà, il avance bien. Si je m'y mets bien cette semaine, je pense que les deux gros morceaux seront finis. Il me restera à faire donc les emmanchures et les. Et ici, toi, j'ai ma pelote qui se bat. Et les emmanchures et le col. Voilà, en côte. Donc, ça, par contre, je le tricote en 3, en numéro 3. Donc, voilà.
Alors, par contre, j'ai un doute. Dites-le-moi en commentaire, mais comme c'est du coton, je pense que je dois le bloquer, mais j'ai un doute. Confirmez-moi, s'il vous plaît, en commentaire, si je dois bloquer mon ouvrage quand il sera terminé, mon petit pull en coton, ou s'il n'y a pas besoin de bloquer. Voilà. Ça, j'ai un doute, je ne sais pas. Ensuite, alors j'ai repris un petit peu mon tricot que je faisais avant les grosses chaleurs, mais bon, c'est toujours les grosses chaleurs en ce moment. Alors je l'ai mis dans mon sac comme ça. Voilà. Je pose l'aiguille dont j'ai pas besoin. Alors, c'est celui-ci. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ce sont que des cotes 1-1. Sauf que sur les rangs impairs, donc le devant, je fais, donc pour faire mes cotes, je fais un point à l'envers, bien sûr, pour le creux des cotes. Et le point à l'endroit se fait, c'est un point endroit double. Voilà. Donc c'est la petite fantaisie du point. Mais voilà. Donc voilà où j'en suis. Bon, il y a quelques petits défauts. Mais alors, moi, ils ne vont pas me gêner. Puis en plus, comme c'est le dos, je m'en fiche un peu. Parce que je l'avais déjà démonté une fois. Et pas ça. On peut pas. Je reviens. Me revoilà. Désolée. J'avais pas cher qu'il me faisait une bêtise. Je vous la montre. J'aurais acheté cette semaine à tous les deux un nouveau jouet. Voilà. Alors ça, c'est celui de Jerry, normalement. Et lui, il a eu une grenouille. Mais là, voilà ce qu'il vient de me faire au jouet, la Jerry. Voilà, il a mordu l'oreille. Et il m'a cassé une patte. Et ça, c'est pas le sien. Enfin. Bon, bah, j'ai plus qu'à le réparer, hein, demain. Il cherche après. Alors, je sais plus ce que je vous disais, moi, du coup. Oui, j'en étais là. Alors, attendez, du coup, ça. Hop. Je vais y arriver. Me voilà. Ouais, donc je vous disais, bon, il y a des petits défauts, mais bon, je les vois pas beaucoup, donc c'est bon. Alors, par contre, là, vous voyez, ça y est, je suis arrivée aux diminutions des emmanchures. Donc j'ai commencé mes diminutions ici et là maintenant je suis au raglan. Alors le raglan, pareil, j'en ai jamais vraiment fait. C'est vrai que moi le tricot avant c'était du très simple, hein, je m'en zéro cerveau. Et donc là maintenant j'attaque le raglan. J'ai vérifié sur une vidéo qu'une amie m'a passée parce que j'avais l'impression de faire des erreurs. Mais bon, non, je pense que c'est bon. Donc là, cette semaine, je vais continuer le raglan. Et comme ça, j'aurai fini mon dos depuis le temps qu'il est commencé. Donc celui-là, il est fait en bergère de France, en parisienne. Et c'est la couleur blé. Voilà. Alors, ça, hop, j'essaye de ranger au fur et à mesure, mais bon. Hop, je vais mettre derrière moi. C'est un peu brouillon aujourd'hui, hein. J'ai essayé de préparer, mais vous avez vu? Couper tous les cheveux. J'en ai eu marre. C'est cette nuit. Je dormais mal parce que j'ai des crampes en ce moment.
Et je dis, ras-le-bol, faut que je vais chez le coiffeur. Et donc ce matin, quand j'étais faire mes courses, il y a le coiffeur qui est là aussi. J'étais la voir, je dis, il y a de la place? Elle fait, oh, bah oui, elle dit, allez-y, il y a deux personnes qui sont pas venues, donc allez-y. Allez hop. Une demi-heure après, j'étais sortie. Moi, je suis tranquille. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, ma couverture. Alors, ma couverture, je la mets dans le sac que je vous avais montré la dernière fois que j'ai eu chez Amazon. Je vous remettrai le lien, comme ça, si ça vous intéresse. En plus, il n'est pas cher. J'avais payé 9,90 €, donc... Ah, tu peux le regarder, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Va au panier faire dodo. Alors, voilà où j'en suis à ma couverture. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Ah, je m'en mêle dans mes fils aujourd'hui. C'est quoi ça? Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, j'ai un peu plus de 50 cm de hauteur de fait. Et la largeur, c'est 1 mètre. Voilà. Donc là, je suis à... Attendez, là, j'étais à 50... 51, 52, 53, 54, 55. Ouais, j'ai fait 56 cm. Voilà. Donc, c'est en point granit. Je vous montre. Voilà. Et les couleurs sont faites avec le cake. Je vais vous montrer en entier. Voilà. Le cake de chez Action. Donc, c'est le Sunday, le spécial Sunday. Allison and Mae. Et ça, voilà la couleur. Il n'y a pas de nom de couleur, je pense, je ne sais plus. Si, ben, c'est un numéro, alors 82 73 14. Voilà. Voilà la couleur. Donc là, je suis en train de tricoter mon deuxième cake. J'en suis là, sur le deuxième. Voilà, oui. Donc ça, c'est le deuxième cake. Bon, j'en ai encore deux ou trois. Alors, j'ai celui-là. Je dois encore en avoir deux en haut, je crois. Donc, j'aurai largement assez pour faire la couverture que je souhaite. Bon, elle est jolie. Bon, c'est pas du doux, 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 hein, mais ça gratte pas non plus. C'est de l'acrylique. Voilà. C'est de la pure acrylique. Mais voilà, bon, pour mettre ici dans le fauteuil l'hiver, ça va être très bien. Voilà, alors j'avance souvent deux rangs, deux, trois rangs par jour, tous les 2 jours, un petit peu à la fois. Aujourd'hui, j'en ai pas fait, mais bon. Donc voilà, du coup, le sac sert pour la couverture, comme il est bien grand, c'est top. Alors, dans les encours, je crois que j'ai terminé. Oui, non, le châle. Mais j'ai rien fait sur le châle. Il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Donc, j'en suis toujours au début. Vous voyez? Hop, je vais me mettre là. Voilà. Et j'en suis toujours au début. J'ai pas fait de point dessus depuis la dernière fois. J'ai du mal. Pas pour faire le point. J'ai du mal pour ça. Vous voyez? Pour l'épaisseur du fil, il est vraiment très 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 fin. Trop gros, ça va pas, mais alors trop trop fin, ça va pas non plus. Hein. Donc moi, c'est le cake de chez Hobby, le Cotton King, voilà, le Sultan de luxe. Ça, je me trompe pas, ouais, Sultan de luxe. Et la couleur. La couleur numéro 4. Voilà. Alors là, en plus, bon, je suis encore dans le foncé, hein.
J'ai hâte, c'est que ça. Non, tu l'aurais pas. Ah. Dans le panier à maman. Non. Faut être panier. Ouais, donc j'ai hâte que c'est que ça change de couleur. Donc voilà. Cette semaine, je voulais commencer aussi le col roulé que je voulais faire avec cette laine-là, Hobby. Mais du coup, je ne l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais le commencer la semaine prochaine. Je vous remets la photo du pull que je vais faire avec. Donc, c'était de la Snowstorm. Voilà. C'est de la 100% laine, celle-là. 100% laine. Donc celui-là, par contre, pareil, dites-moi que je ne me trompe pas. Quand j'aurai terminé, je pense que comme c'est 100% laine, là, il faut le bloquer. Dites-le-moi, mais je crois, oui. De toute façon, c'est du lavage à la main, là, ils disent. Donc, ouais, c'est lavage à la main. Donc là, dès que je vais commencer, ben, je vais commencer la semaine prochaine, je pense. Je vais avancer au maximum sur les autres pulls. Et comme ça, je pourrais commencer celui-là. Le pull blanc, lui, par contre, bah, pour l'instant, je l'ai entièrement démonté. J'avais démonté jusqu'aux côtes. Et puis après, j'ai dit non, bah, j'ai tout démonté. Je vais le refaire à l'automne. Parce que je vais faire plusieurs gros pulls d'un coup en ce moment avec la chaleur, c'est pas la peine. Donc là, je l'ai entièrement démonté, j'ai refait ma pelote et à l'automne, je vais le recommencer. Voilà, je vais le remettre en route. Avec la laine là que je vous montrais, la laine caresse, j'ai déjà rangé ma pelote. Celle-ci. J'aimerais bien refaire un autre pull par la suite avec la même laine, bon, d'une autre couleur bien sûr. Alors j'avais vu, c'est ce pull-là. C'est un pull assez simple, hein, assez ordinaire. Voilà. Donc il se fait en jersey en vert, je crois. Mais bon, les côtes, c'est des côtes, mais à l'horizontale. Et le plastron, les côtes se font à la verticale. Voilà. Et donc, c'est un modèle fil d'art. Donc, je verrai. Bon, pas tout de suite, mais il me plaît bien. Bon, pareil, pas dans cette couleur-là. Je verrai pour faire une autre couleur, peut-être un, je sais pas, un genre de gris ou voilà, un gris pâle. Il y avait d'autres modèles qui me plaisaient également, mais bon, après j'ai dit non, il y a trop de. Il y a des torsades, il y a des dentelles, puis là j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, ce modèle-là, il est bien. Et j'ai vu également avec. Alors attendez, j'attends que ça s'ouvre. Allez, désolée. Bon, hier en plus, j'avais pas d'internet, j'avais pas de télé, et la box n'allait plus. Donc c'était une galère. Voilà. Avec la même laine, on peut faire. Il y a un modèle pour faire ces chaussettes-là. Moi, bon, j'ai toujours pas attaqué hein, les chaussettes. Voilà. Vous voyez? Avec un cœur dans le talon. J'aime beaucoup. C'est rigolo. Donc, le beige, c'est la laine caresse. Et ça y est, j'ai fermé la page. Et l'autre laine, c'est. Allez. Ça vient. Ça vient, ça vient.
Ah, quand même. Galère. Heureusement que je suis à la fibre. Hein. C'est un coton. Coton, fil coton 3. Alors ça, c'est pour faire le cœur sur les talons. Mais je viens de voir, j'avais pas fait attention, que... Hop. Ouais, les cœurs se font mais en broderie, au point de maille. Donc c'est pas tricoté, les cœurs, ils sont rebrodés sur la chaussette. Voilà. Donc j'aimerais bien, peut-être, je vais regarder pour ces chaussettes-là, ou s'il me reste de la laine quand j'aurai fini mon pull, je ferai peut-être une paire de chaussettes avec. Niveau ouvrage, vous voyez, aujourd'hui la vidéo va pas être très très longue, j'en suis désolée, hein, pour celles qui aiment beaucoup, qui aiment les vidéos longues. Moi aussi j'adore les vidéos longues. Je me suis trouvé donc celui-là, l'idéal, l'idéal tricot. Donc c'est le numéro 86 de, c'est celui-là, oui je crois, du mois d'avril. Donc c'est un ancien, mais il était encore chez mon marchand de journaux. Et j'ai vu des modèles qui me plutaient pas mal. Il y a des modèles simples, il y a des... Alors, attendez, je regarde un truc que j'avais vu. Alors, en genre pull confortable, loose à mettre à la maison, j'avais vu celui-là. Voilà, le truc tout simple. Zéro cerveau. J'aimais bien aussi, c'était ça. J'aime bien la couleur. Et si vous pouvez vous voir, voilà, voyez, il se tricote comme ça. Alors, c'est le numéro 15. Le 15, le voilà. Alors, le numéro 15. Oui, c'est ça. Alors, je vous montre avec le petit dessin. Vous voyez? Mais on voit qu'il se tricote dans ce sens-là. Donc, vous allez commencer ici et puis partir par là. Et les manches en sens normal. Voilà. Il faut, de toute façon, pour le... Alors, le dos. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Ah, si, si, d'accord. Il se monte avec 94 mailles. Voilà. Et après, on fait les augmentations. Voilà. Donc, sur le livre, il est en taille 36-38, 40-42, 44-46, 48-50. Donc, moi, ce sera le 48-50. Si un jour je le fais. Mais j'aime bien, et j'aime bien sa couleur. Donc, il est fait avec de la laine. Lana grossa. Donc, j'ai jamais eu cette laine-là. Je la connais pas du tout. Je ne sais pas s'il y en a de certaines d'entre vous qui en ont déjà utilisé. Là, c'est de la 60% pure laine avec 40% de polyacrylique. Voilà. Et... Oui. Donc, celle-là, je ne la connais pas, la grossa. J'en ai jamais acheté. J'en ai même jamais vu. Sinon, dans les choses pareilles. Ici, vous voyez, le petit gilet là, le petit gilet veste, tout simple également. Truc, c'est vrai que bon, avec moi, vous allez pour l'instant, vous ne verrez pas des pulls plein de dentelles, plein de ceci, plein de cela. Bon, déjà parce que je ne sais pas, je ne suis pas une pro des trou-trous. Et puis, je n'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment. Voilà.
Quand j'aurai qu'un seul ouvrage à faire, peut-être que je ferai un ouvrage avec des dentelles. J'essaierai. Mais là, pour l'instant, non. Alors, j'aime bien aussi, c'est celui-ci. Avec le dégradé de couleur. Petit pull demi-saison, hein, vous voyez, sans manches, les manches qui retombent sur les épaules. Alors celui-ci est fait en Vinx à coton. Vinx à coton. Ah non, non. Enfin si, il y a du coton. Alors c'est toujours un lana grossa. Il va falloir que j'aille voir ce que c'est ce fil. C'est un fil lin, soie et coton. Voilà. Donc il y a 50% de lin, 33% de soie et 17% de coton. Ça doit être agréable à tricoter, je pense. Il faudra que j'aille voir. Et il faut pas beaucoup de... Ah, par contre, la taille est pas bonne pour moi. Ça va jusqu'au 46-48. Donc si je serais pour le faire, il faudrait que je recalcule pour faire un patron plus grand. Mais bon, ça c'est pas très grave. Là en 46-48, il faut 400 grammes de fil. Bon, donc par prudence, moi je reprendrai, je ferai 500 grammes peut-être. De toute façon, même s'il me reste de la laine, je trouverai quelque chose à faire avec certainement. Voilà. Mais sinon, vous voyez, niveau patron, il n'est pas du tout compliqué, hein. Il n'y a rien, rien, rien de compliqué. Voilà. Donc c'est toujours du tricot classique hein, pour moi. C'est du tricot à plat, à aiguille longue, avec des laines classiques, voilà, qui se tricotent de bas en haut. Et j'en avais vu un petit dernier. Alors je suis en train de chercher. Il est ouf. Non, il y en avait deux. J'avais vu cette veste-là aussi. Je la trouve très belle aussi. Toute simple. Et elle se tricote jusqu'au XL. Donc c'est bon. Et ça m'a l'air d'être. Alors, ça va être encore une lana comme ça, sûrement. Ah non, c'est une... Oh là, ça se prononce comment ça? Cha chen mer. Je connais encore moins. Jamais entendu parler. Alors, c'est du polyester recyclé avec de la viscose éco et du coton. Voilà. Tu peux pleurer, tu ne l'auras pas. Maman est peut-être vilaine, mais tu ne l'auras pas. Et le dernier qui me plaisait, alors celui-là est fait en, je regarde tout de suite, Recodazing. Voilà, ça, j'en ai jamais eu non plus, mais j'ai déjà entendu parler. Et c'est un coton polyamide. Voilà, et la taille. Oh, oui, bah celui-là, non, bah je pense que je ne pourrais pas le faire. Ou... Quoique. Quoique, quoique. Parce que là, ça va jusqu'au 46. Mais, bah, si, si, je pense. Parce que vous voyez, c'est avec des torsades. Trois torsades au milieu. Mais comme moi, j'aurais besoin d'agrandir le patron. Ouais, de toute façon, je vais agrandir là. Voilà, sur les côtés. Le plastron de torsade, lui, il ne bougera pas. Dans n'importe quelle taille, il ne va pas bouger. Oui, donc sinon, je peux refaire le patron à ma taille. J'aime bien aussi, j'aime bien la couleur qu'ils ont choisie pour le modèle. Ça fait un petit peu chiné, vous voyez. J'aime beaucoup. Donc, dans celui-là, un catalogue, il y avait vraiment plusieurs modèles qui me plaisent. Il y a un ou deux modèles hommes, mais bon. Mais il y a beaucoup de pulls un peu larges, un peu confortables. Voilà. Là, ça ressemble un peu à celui que je suis en train de faire, là en coton.
Mais là, bon, il est un peu en crops, je trouve. Il est trop court. Mais c'est le même style que le coton que je suis en train de faire. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas d'autres modèles. Enfin, il y en a d'autres qui me plaisent, hein, mais... Ça, non, par contre, j'aime pas. Ça fait, je trouve que ça fait serpillière. Voilà. Quand je l'ai vu, j'ai dit, on dirait une serpillière. Je trouve vraiment pas beau, ce truc-là. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Et celui-là se fait jusqu'au XXL, en plus. Qu'est-ce que j'ai? Non. Ouais, il y a deux modèles hommes, c'est bien ça. Ça, c'est mignon aussi, mais c'est du jacquard. Voilà. Mais, donc voilà, les modèles que j'aimerais bien faire. Pourquoi pas? Mais bon, on va se calmer. On va déjà avancer sur ce qu'on a. Et puis, ne mange pas la grenouille. Hein. Attention. Non, je suis pas méchante avec eux. Je fais les gros yeux quand il faut, mais... hier, je me suis amusée à me faire un petit bocal. Voilà. Tout. Comme un bocal confiture. Hein. J'ai mis un petit ruban, voilà, Vichy. J'ai mis un marqueur à tricot, voilà. Et puis la petite dentelle, ça c'est la dentelle Action que j'ai collée avec du double face. Et dedans, vous voyez, je mets mes fonds de fil de laine, voilà, pour les garder, parce que ça peut me servir pour faire un petit truc ou. Ou même si je me fais un accroc sur un de mes pulls, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Par malheur, plutôt. Au moins, j'aurais peut-être des... J'aurais gardé des... des petits fonds de laine. Voilà. Et bien, ça peut me servir aussi pour faire des petites bricoles. Qu'est-ce que je voulais... Il y avait un truc que je pense que je ne vous ai pas montré. Je ne me rappelle plus. Alors... Je ne sais plus si je vous avais montré. Si, je crois. Je crois, je crois. C'était justement mes marqueurs à tricot que j'avais acheté chez AliExpress. Alors là, là, il n'y en a que deux, mais les autres sont sur les tricots. Normalement, il y a une petite abeille. Et voilà. Et quatre marguerites comme ça. Voyez. Et avec, il y a une petite abeille, mais il est sur un de mes tricots. C'est une petite abeille. Voilà. J'avais eu également ceci. Hop, viens là, toi. Alors, ils sont en bois. Alors, là. Il y en a avec un petit chat. Alors attendez, on va essayer de. Voilà, un petit chat. Donc c'est juste un anneau et un rond en bois. Ici, un petit mouton. Là, une pelote de laine. Des petites chaussettes. Et le dernier, c'est un cœur avec la patte d'un toutou ou d'un chat. Bon, plutôt un chat. La patte d'un chat dans un cœur. Voilà. J'ai eu cela. Ensuite, j'avais pris ceci. Alors là, j'en avais une dizaine. C'est le même que j'ai mis justement sur le pot de reste de laine. Voilà, des petits anges comme ça, avec un anneau. Donc ça, j'en ai une dizaine. Je pense que je vous les ai présentés. C'est parce qu'en voyant le grand,
Alors après j'avais eu cela. Alors là c'était une erreur du site. Sur la photo je voyais pas bien. Ils vendaient ça comme marqueur à tricot. Moi je veux bien, mais voyez le truc là, il me paraît très très gros, très beaucoup trop grand. C'est plus un porte-clés que. Donc je vais sûrement récupérer des petits anges et je vais remettre des autres anneaux. Et ça, je les garderai si je veux me faire des porte-clés, quoi. Ça, j'en avais eu un, deux, trois, quatre. Voilà. C'est tout ce que j'avais eu, ouais, en marqueur. Parce qu'après, les autres marqueurs que j'ai, c'est ceux que j'ai fait moi-même, donc comme ça. Et là, j'en ai deux, quatre, comme ça. J'en avais même fait avec des pompons. C'était un moment où je fabriquais beaucoup de marqueurs de tricot. J'en ai fait énormément en fimo. Donc de toutes sortes. J'ai fait des petites têtes de cochon, j'ai fait des hiboux, j'ai fait des pingouins, j'ai fait des parts de gâteau. J'avais fait plein de choses. J'en avais fait en perles aussi, voilà. Bon, mais tout cela, je les ai plus parce que j'avais des copines qui me les avaient rachetés à l'époque. Et bon, de toute façon, en fimo, là, je n'ai plus aucun matériel de fimo. Donc, je ne pourrais plus en refaire en fimo, à moins d'acheter de la fimo, mais bon, on ne sait jamais. Un jour, peut-être, elle me reprendra une usine, comme on dit. Et je rachèterai un petit peu de fimo pour en faire. Je verrai bien. Je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez, le tour n'a pas été très grand aujourd'hui. Je ne sais même pas si on a dépassé 1 heure. Bon, la prochaine fois, j'espère vous montrer plus de choses. Je suis en train de voir pour faire. Peut-être en vlog, de temps en temps un vlog pour vous montrer l'avancée de mes ouvrages, et puis ça va peut-être me motiver à les avancer un peu plus vite pour les terminer. Donc je vais voir comment je vais faire. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais bon, j'ai pas encore mis en place pour faire un vlog. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça, cette forme de vidéo en vlog. Donc je verrai. Vous savez, faire une fois un vlog, une fois un podcast, une fois un vlog, une fois un podcast, alterner les deux. Voilà. Bon, j'ai toujours pas non plus préparé mon flousse tube, par contre, pour la broderie. Je vais m'en occuper. Mais c'est vrai que broderie, j'ai moins de choses à vous montrer. Donc c'est plus compliqué. Mais bon, je prépare. Donc voilà, pour aujourd'hui, vous avez vu l'avancée de mes ouvrages, les projets que j'aimerais bien faire. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions, des suggestions à me faire, pourquoi pas, n'hésitez pas, hein, vous savez que ça se passe en commentaire, donc vous marquez tout ce que vous voulez, des mots gentils, bien sûr. Faut toujours rester gentil. Si vous avez des suggestions, des conseils, ou juste me donner votre avis sur un de mes tricots, n'importe, n'hésitez pas. Hein. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup répondre. Pardon, je bâille, c'est pas bien. Répondre à vos commentaires, hein. J'essaye de le faire régulièrement. Hein. Malgré que des fois, bon, bah, il y a un petit laps de temps d'une semaine, des fois 10 jours, là c'est pas bien, pour que je vous réponde, mais je réponds toujours. Donc voilà, je refais un petit tour d'horizon, je crois que je vous ai tout montré. Oui, non, ça, je vous ai. Alors, je vous rappelais, j'avais eu cette laine-là au podcast encore avant. C'était la Pingo Mini. Voilà. Alors j'ai mis celle-là de côté, j'ai descendu 2 pelotes parce que je voudrais, dès que j'ai 5 minutes,
commencé à m'exercer à faire le pull en aiguille circulaire. Vous savez, avec le livre que je me suis acheté pour apprendre le tricot circulaire. Je vous remets la photo. Donc, j'ai choisi celle-là de laine pour apprendre à faire le tricot circulaire. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Bah, parce que celle-là, c'est la moins chère de mon stash. J'avais payé quoi dans les... ouais, j'avais payé 9 euros pour 10 pelotes. Donc, pour apprendre, elle me suffit. Au moins, si je fais une connerie, bah, j'aurais moins mal au cœur de m'immer une pelote de laine. Enfin, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. J'aurais moins de mal au cœur de m'immer une pelote que si c'était de la vraie laine ou enfin une laine un peu plus chère. Voilà. Donc, je vais m'exercer sur celle-ci. Voilà. Donc, j'ai choisi la beige puisque j'avais une beige et une écrue. Et donc, j'ai pris la beige pour commencer. Donc, celle-là se fait en 4 et le modèle se tricote en 3,5. Mais bon, pas grave. Donc, voilà. Je vais du coup bah, vous laisser pour aujourd'hui. Je réfléchis encore si j'ai rien oublié de vous dire, de vous montrer. Non, je crois que j'ai tout fait. Ouais. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Et là, maintenant, je vais vous laisser en faisant plein de gros bisous, vous dire qu'on va se retrouver très vite. Et le prochain podcast, je vais voir. Alors, soit que je vous ai dit, je ferai un vlog et je ferai un prochain podcast plus tard. Alors, j'ai envie de faire 15 jours sur 15 jours. 15 jours, dans 15 jours, un vlog, par exemple. 15 jours après, un podcast. Voilà, je vais essayer. On verra. Allez, maintenant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et... chose importante que j'ai oublié de dire. On est le 30 juillet. J'ai les cheveux. On est le 30 juillet. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma chaîne. Voilà, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans que je papote avec vous sur YouTube. Voilà. À ce sujet, n'oubliez pas, pour ceux qui font du diamond painting, ça n'a rien à voir avec le tricot, mais il y a toujours le concours de l'anniversaire de la chaîne, justement, pour gagner des diamond painting. Donc, si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas. Ici, sur YouTube, et on peut participer aussi sur Instagram. Voilà. Bon, ça y est. Alors, je me souhaite un bon anniversaire YouTube. Et puis, ben, j'espère encore faire quelques années avec vous, hein, pourquoi pas. Et nous, ben, maintenant, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.